Archie Futur surfer? La Californie et son atmosphère estivale lui rendent bien. À peine arrivé avec ses parents sur la côte ouest des États-Unis, le bébé royal de 10 mois est heureux, comme le partage une source proche du prince Harry et de Meghan Markle. La famille est partie à la fin du mois de mars 2020 de l'île de Vancouver, au Canada pour la Californie et plus précisément Los Angeles, la ville d'origine de Meghan Markle. Un timing bien synchronisé, ils se sont envolés quelques jours seulement avant le confinement dû au coronavirus et donc aux interdictions de sortie de territoire. Une source proche de la famille a dévoilé au magazine People que la famille se porte bien. Comme tout le monde, ils s'adaptent à la distanciation sociale, ils font attention, avant d'en dire plus sur Archie. Le bébé fait ses dents et est heureux. Je suis sûr qu'il est content d'être sous le soleil californien. Une pause bien méritée pour Archie et ses parents, la famille a récemment enchaîné les déplacements. Si est-il le moment de souffler et se retrouver en famille? La mère de Meghan Markle, assistante sociale et professeure de yoga, vivant déjà à Los Angeles, ce déménagement sera l'occasion de se sentir plus proche, malgré le confinement dû au coronavirus. Une nouvelle vie de famille pour rappel, le mego étant débattu a officiellement pris acte le 31 mars 2020. Juste avant, le prince Harry et Meghan Markle sont revenus en Angleterre pour assister à leurs derniers événements officiels en tant que membres de la famille royale. À cette occasion, Meghan Markle s'est laissée à quelques confidences sur son fils, qui aura un an en mai 2020. Archie serait un bébé curieux, intéressé par tout. Nouvel objectif pour les jeunes parents après le retrait de leur fonction royale, faire d'Archie leur priorité. But there's all times through the rough times I